Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Ouais, donc là, comme tu peux le constater, il y a eu les tirages au sort des phases finales de la Ligue des Champions. Et encore une fois, le Paris Saint-Germain tombe une nouvelle fois face au Bayern de Munich. La dernière fois, ils sont tombés dans notre poule. Celle d'avant, on est tombé contre eux en finale de Ligue des Champions. Ils nous ont fracassés avec notre ancien joueur qu'on a formé. Kingsley Coman, qui a marqué de la tête alors qu'il fait partie des plus petits joueurs de l'équipe. Nous avons mal de jouer à chaque fois contre le Bayern, même si la dernière fois qu'on a joué contre eux, lors des poules, on leur a montré ce que c'était. Mais là, j'en ai marre. Regarde l'équipe qu'ils ont. Sadio Mané, Coman, Gnabry, Müller. Müller, il a quel âge là? Hein? Il veut pas prendre sa retraite. Il a 50 ans, il joue encore au football. Et en plus, il joue bien. Hein? Un retraité comme lui là. Il n'arrête pas de marquer. Depuis que je suis petit, il est là. Je ne comprends plus. Bon, en tout cas, on va jouer contre le Bayern. Hein? Donc, le Paris Saint-Germain va affronter le Bayern de Munich en printemps pour les huitièmes de finale. Bon, ça va être un match très compliqué. Ça va être deux confrontations très compliquées. Surtout que là, entre-temps, il y a la Coupe du Monde. On ne sait pas c'est quel Paris Saint-Germain qu'on va retrouver. Parce que là, on est d'accord. Le Paris Saint-Germain qu'on est en train de voir, il est succulent. Il est magnifique. Tu vois ce que je veux dire? On voit les efforts se répéter. Neymar, il est au top du top. Si ça se trouve, ils vont. Je ne sais pas qui va gagner la Coupe du Monde. Imagine Neymar, il gagne la Coupe du Monde. Après, il dit, bon, moi, le PSG, c'est bon, j'ai terminé, j'ai fini, j'ai eu ce que je voulais. Hein? Comment on va faire, nous? T'imagines ça? Ou bien Mbappé, il est trop frustré, et il dit, bon, voilà, moi, je me lance dans la production de cinéma, et puis voilà, c'est terminé. Ou bien Messi aussi, il gagne la Coupe du Monde, et il dit, voilà, c'est terminé, j'ai fini le jeu, j'ai absolument tout gagné, 7 ballons d'or, Champions League, Copa América, Coupe du Monde, je veux plus rien. Donc, on ne sait pas c'est quel Paris Saint-Germain qu'on va retrouver. Tu vois ce que je veux dire? Et on ne sait pas aussi c'est quel Bayern de Munich qu'on va retrouver. Eh oui, on va arrêter de faire comme si c'est pas possible que dans un sens ça se passe et pas dans l'autre. Mais oui, donc on va pas se mentir. On aurait voulu tomber contre Bruges ou même Tottenham ou même Liverpool qui est lourdement diminué. Tu vois ce que je veux dire? On aurait dû tomber contre Francfort, tu vois? Ou Napoli, Naples. Non, Naples, ils sont chauds là. Ouh là là, ça allait être du très très chaud. Mais en tout cas, c'est cool qu'on soit pas tombé contre Manchester City. Mais attention là, parce qu'il y a un truc aussi à regarder. Ou bien ils font à chaque fois des tirages au sort là. Ouais, c'est bon. Donc à chaque fois, il y aura des tirages au sort. Bon, c'est parfait. Bon, allez.